premier jour où j'ai porté string devant un gars qui n'aimait pas string. Il ne savait pas. Grazo. Il a porté string noir. String. Je suis comme string là. Il y a code. Il reste 6 points. André Liane. André Liane de moi. Liane de moi. String noir en code. Quoi. J'ai dit, j'ai porté ça. J'ai porté ça pour aller m'arrêter. Donc le gars là, il savait pas. Hein. Pourtant le gars là, il m'a pas dit que lui, il aime les choses. Hein. Lui là, il aime quand la personne est garçon. Moi, il savait pas. J'ai dit, je m'en vais. Je sors de la douche comme ça. Je sors de la douche. Hein. Genre, au début là, tu vois, tu as honte au début là. Genre, tu as honte au début là, comme ça. Et puis, genre, quand tu finis de. Quand le diable finit de te dire, faut porter string là. Il enlève le voile sur ton visage et tu es conscient que tu deviens garçon. Donc, c'est où tu caches. C'est ici que tu caches. Quand tu as le derrière dans ton canapé, si tu es femme là, là, tu ne caches pas. Depuis quand femme porte string, elle cache ici là. Elle ne cache pas. Elle est à l'aise. Mais quand tu sors là, éteins la lumière. Oui, éteins la lumière. Éteins la lumière. Oui, éteins la lumière là. Éteins. Tu caches ici. Tu vois, tu es conscient. Tu es conscient que tu es garçon, donc tu caches ton blalis, ton blalos, tu caches ça. Ou bien d'autres même, ou bien il y a d'autres là, ils vont prendre les blalos, ils vont plaquer ça par derrière ici quoi. Il y a d'autres qui vont prendre un plaquement pour plaquer. Ils vont prendre les pauvres blalos, ils vont plaquer les blalos comme ça. Plaquer le pauvre logbo d'un. L'Ogbo Djenin qui n'a rien demandé, l'Ogbo Djenin qui est venu pour aller framponner, lui plaque en direct, Konjo. Et puis il sort. Donc il sort, le gars, il est sur son téléphone. Tapotez le live s'il vous plaît. On s'abonne, on tapote le live s'il vous plaît. Maintenant là, c'est le témoignage dans la comédie, mais derrière ça, on laisse un message pour dire que franchement, le diable est méchant. L'homosexualité, c'est un truc où c'est que la souffrance. Il n'y a pas de vie heureuse. Si tu veux, il faut tomber sur un gars qui a l'argent. Je vous dis aussi, si tu tombes sur un gars qui a l'argent, c'est qui le gars qui a l'argent m'a fait. Si tu tombes sur un gars qui a l'argent, c'est vie. Il n'y a pas de vie heureuse. L'homosexualité là, c'est pas une vie heureuse, c'est un semblant. C'est qu'aux yeux des gens, tu montres que tu es heureux, mais en bas là. C'est les difficultés, c'est la souffrance, c'est la misère. Le diable n'a jamais fait bonne chose. Le diable n'a jamais utilisé quelqu'un et puis la personne est heureuse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le diable n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Ça n'existe pas. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Si tu veux la faute, t'es blagué. Comment ça n'existe pas? Donc, je sors avec string à corde, dis qu'un chéri, un string, chéri à mon dos, il y a les lianes, fia, ça passe sur mon cou aussi, fia. Je sors de la douche, et le string là, dans le monsieur, il est assis, il était comme ça, sur l'ordinateur, moi aussi derrière lui. Quand le monsieur a tourné pour me regarder là, il y en a, mec, là, il m'a appelé mec. Quand il m'a vu en string, il va dire, oh mec, c'est quoi ça? Ta grosse tôle là dans string, là, ça te plaît? Toi-même, genre, quand tu vois là, tu aimes ça? Ça te plaît? Va m'en faire ça. Il y a comment tu es du dedans. C'est qu'il a dit, mon gros logo d'un là, dans ça là. Ça te plaît. Il m'a vu, c'est là même, il m'a vu un garçon. Mais quand il a porté sous-vêtement, c'est là même, il m'a vu. Il dit, mec, il m'a appelé mec. Ça te plaît, mec. Et que, comme tu veux pas qu'on t'appelle mec, tu veux qu'on t'appelle mademoiselle, il te dit que tu es mec même. C'est dans Blue String, là, même. J'ai dit que tu es mec même. Il dit, mec. Ça te plaît. Tu aimes ça? Ton gros logo de Genena, dans ça là, tu aimes ça? Une fois, on y va là. Il y a comment tu es du là-bas. Je dis, ah! Il dit, je dis, si tu as allumé, il n'y a pas mis l'avion.
J'ai dit hi. Et maintenant, il n'aime pas se laver des. Il s'est devenu garçon. Depuis quand un garçon aime. Non, moi j'ai exagéré. Ici, j'ai mis garçon. Avant, là, il me lavait pour plaire aux hommes. Non, hein, il ne me l'a plus. Il faut que ma chérie, qui a me senti là, elle doit sentir un peu le goût de sueur des garçons. Là. Ou bien, voilà, les hommes là, les hommes ont une odeur de sueur derrière eux, un peu doux, un peu chic. Vous voyez, elle doit sentir ça. Avant là, il me lavait froid. Je devenais clair quand on parlait derrière garçon. C'est femme qui est propre. Garçon, un homme doit pas être trop propre. On dit c'est ça même. Ah. C'est ça. Je, tu dois avoir un peu d'odeur de sueur là. On s'abonne, on t'apporte le live. On s'abonne massivement. Abonnez-vous dès maintenant. Parce que là, moi, mon témoignage là, on va faire ça comme ça. Ça met la joie de votre cœur. Ce n'est pas un témoignage qui va vous faire pleurer. Je vais vous faire rire, mais c'est la vérité, je dis. Et puis j'ai dit, fille dedans, pour vous dire que le diable est méchant. L'homosexualité, c'est une méchanceté. En gros, l'homosexualité, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté parce que ça te met tellement bas. Ça te met tellement bas. On te malmène, on te mêle, on t'humilie. Et que le diable fait que tu sois dehors, les gens te frappent pour la propre vie que tu mènes. Hey, Dieu ne peut pas te donner une vie et puis ils vont te frapper à cause de cette vie-là. Mais le diable te donne une vie d'homosexualité et ça fait que les gens te détestent, on te porte main. Il y a des homosexuels qu'on tue. Hey, mon ami, c'est pas eux, c'est le diable qui les pousse à te tuer. Dieu ne peut pas créer quelqu'un et puis sa vie ne va pas plaire à son ami, c'est impossible. Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que le diable fait pour détourner cette parole-là? Il emmène une sale vie que tu vas vivre et ton prochain ne va pas t'aimer. L'homosexualité là, c'est une vie de souffrance. On m'a frappé à cause de ma vie là, à Yopougon. Jusqu'à ils ont failli me déshabiller. Si pour rester à 18h, ici quitté à Dabou, je venais à Abidjan. Je suis descendu à Cypress. Trois apprentis m'ont frappé. Ils m'ont frappé pour ne rien. Pour ne rien. Parce que j'étais efféminé. C'est une dame à Nongo qui est venue pleurer sur moi. Elle est venue m'attraper puis elle pleurait sur moi. Ils m'ont laissé, elle m'a pris, ils m'ont envoyé dans son magasin. Ils m'ont donné, elle m'a donné culotte, elle m'a donné habit. Elle en avait 10 000, elle m'a donné, m'a mis un taxi, je suis parti. Que Dieu bénisse cette dame-là. Que Dieu bénisse cette dame-là. Cette vie-là, c'est pas facile. Cette vie-là, c'est pas du tout facile. Même quand tu t'affiches pas, tu oublies de te cacher. Tu oublies de te cacher. Aïe, tu dis toi-même là, à un moment de la vie, c'est une vie de honte. Tu me fais pleurer. C'est que c'est une vie de honte. Et que même le gars même qui te dit qu'il t'aime là, il t'appelle à 1h du matin, il t'appelle à 2h du matin, il t'appelle à 3h parce qu'il est conscient que c'est une vie de honte. Ils sont là pour lutter là-bas pour avoir leur liberté. Mais au fait là, tu vas avoir ta liberté, mais à toi-même, tu vas te cacher. Même ton gars là-bas se cacher. Même en Europe, on se cache. Il y a mon ami Aristide. Vous ne le connaissez pas. Il n'est pas sur Internet. Aristide, ils sont un blanc. Et puis le blanc, il est en Belgique. Le blanc se cache pour aller le voir. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, c'est pas une bonne vidéo. On se cache pour faire.